Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va aborder une question qui revient souvent dans nos échanges. Les infirmières m'en parlent et les coachs de l'équipe Charlotte K m'en parlent également. Comment les infirmières libérales peuvent-elles évoluer professionnellement en milieu rural? Pour les infirmières qui ne travaillent pas en libéral, la question est un petit peu différente et je lui consacrerai une vidéo vraiment dédiée si le sujet t'intéresse. On connaît le quotidien des IDEL à la campagne avec beaucoup de kilomètres, des permanences au cabinet, une population vieillissante et attachante qui demande du temps et beaucoup d'énergie. Certaines infirmières libérales expriment une lassitude vis-à-vis de ce quotidien, un sentiment un petit peu de solitude. Pourtant, il est possible de retrouver de l'énergie et une émulation intellectuelle positive. Il est possible également de se réinventer grâce à quelques astuces. J'explique ça en trois points, trois conseils pour évoluer professionnellement en milieu rural. Avant ça, si tu me rencontres grâce à cette vidéo, laisse-moi t'expliquer qui je suis. Je suis Charlotte, ancienne infirmière et fondatrice de Charlotte K. Avec mon équipe, on accompagne des infirmières et infirmiers dans leur démarche d'évolution ou de reconversion professionnelle grâce à de nombreux contenus comme cette vidéo par exemple, mais surtout un bilan de compétences spécialisé pour les infirmières. L'équipe est presque exclusivement composée d'anciennes IDE et on connaît parfaitement le milieu de la santé et les challenges auxquels tu fais face au quotidien. Si tu veux en savoir plus sur Charlotte K, n'hésite pas à aller explorer notre site internet charlotteka.fr et nos réseaux sociaux. Je te mets toutes les informations juste en dessous en description. Revenons donc au sujet du jour, donc comment évoluer professionnellement en milieu rural. Voici donc mes trois conseils. Premier conseil, ce serait de créer et ou de rejoindre un réseau de professionnels de santé. Le travail d'équipe, le débriefing, la mise en place d'un parcours de soins coordonnés, tout ça est possible grâce au réseau de professionnels. Ces infirmières, kinés, médecins se retrouvent régulièrement pour parler à des patients, de l'actualité, du secteur également, et il y a une émulation et des échanges vertueux. Est-ce que tu connais les CPTS ou communautés professionnelles territoriales de santé? Comme son nom l'indique, les CPTS sont des regroupements de professionnels d'un même territoire qui souhaitent mettre en place ensemble des projets pour répondre à une problématique donnée. Par exemple, face à un problème d'accès à un spécialiste, les CPTS peuvent créer des solutions en recrutant des spécialistes qui prennent en charge les patients dès qu'ils ont un créneau disponible. Une plateforme est mise à disposition des professionnels qui rejoignent la CPTS. C'est un gros réseau. Fini l'isolement, la solitude aussi qui peut parfois se faire ressentir. C'est comme une maison de santé à plus grande échelle, mais virtuelle. Deuxième chose, mise en place d'outils de communication, réseau, développement de projets communs. Les CPTS, finalement, ils ont de nombreux avantages qui gagnent à être connus. Si le sujet t'intéresse, tu peux retrouver un article complet sur le blog Charlotte K avec le témoignage de Gaëlle, infirmière coordinatrice en CPTS. Une autre possibilité en milieu rural, c'est de travailler dans une maison de santé, bien réelle cette fois. Dans ces maisons, il y a des différents professionnels qui travaillent, des collègues, il y a des interactions toute la journée et la possibilité aussi d'avoir du soutien. Qui plus est, pour les patients, il est bien pratique aussi d'avoir tous les professionnels au même endroit. Deuxième conseil maintenant pour évoluer professionnellement en milieu rural, c'est de penser à une spécialisation ou une formation supplémentaire. Te former, ça va te permettre aussi de te mettre à jour sur des sujets donnés, de répondre à des besoins spécifiques de la population, d'acquérir un autre statut de référente dans une spécialité qui peut être précieuse pour les patients comme pour tes collègues. Alors, comment faire ce choix pour une formation qui va être pertinente? Première étape, identifier les besoins spécifiques de ton territoire. Es-tu confronté à un vieillissement de la population? Y a-t-il une augmentation des besoins en matière de santé maternelle et infantile? Y a-t-il une pathologie plus présente qui nécessite un travail de sensibilisation de la population? Les réponses à ces questions peuvent s'orienter dans ton choix de formation. Une fois que le domaine est identifié, s'il correspond à un sujet qui t'intéresse, évidemment, la prochaine étape, c'est la formation. Tu as plusieurs possibilités de financement en libéral, le FIFPL, la NDPC, le crédit d'impôt formation et bien sûr le financement personnel. Quelle formation tu peux faire
en étant en milieu rural, ben là, il y a deux possibilités pour faire des formations, soit en centre de formation, donc en présentiel, si tu arrives à te dégager du temps et que tu peux t'y rendre également, ou une formation à distance, c'est également possible. Il y a de nombreux centres de formation qui proposent des formations en distanciel, en classe virtuelle ou en formation autonome également. Tu peux par exemple en trouver chez Santé Format Pro, un organisme spécialisé dans la formation des IDEL et qui est partenaire de Charlotte K. Justement parce qu'on est persuadé que la formation est une voie d'épanouissement pour les IDE. Troisième et dernier conseil pour évoluer en milieu rural, travailler sur ton état d'esprit. C'est une notion qui nous tient à cœur chez Charlotte K. Parfois, changer d'angle de vue, ça permet d'avoir les choses, de les voir différemment, un peu autrement, et de retrouver l'énergie et la foi en ton métier. Peut-être que dans ton travail, tu te sens un peu coincé en ce moment, comme à l'étroit, parce que tu penses qu'il n'y a pas beaucoup d'opportunités professionnelles autour de toi. Si tu travailles en milieu rural, a priori, c'est un choix à la base, un choix personnel, familial, l'envie d'avoir de l'espace, du vert, de rester près de tes amis, peu importe. Mais pour retrouver la motivation qui va forcément déboucher sur des projets, je t'invite à te reconnecter à ces raisons qui t'ont poussé à t'installer à la campagne, tout simplement. Pourquoi as-tu décidé de travailler là? Pour la famille, pour l'espace, pour tes amis? Voilà, quelles sont les raisons? Ces raisons, est-ce qu'elles sont suffisantes pour compenser les contraintes? La route, l'isolement relatif, etc. Si tu décides de rester et que ces contraintes te pèsent quand même, est-ce que tu peux les alléger? Trouver un travail plus proche de chez toi, avec des horaires peut-être plus compatibles avec ta vie personnelle. Je le dis souvent et je le redis ici, tu n'es coincé nulle part. Si tu veux évoluer, tu le peux, il faut juste trouver comment. Et mon équipe et moi-même, on est là pour t'aider. Alors, je récapitule ici mes trois conseils pour évoluer professionnellement en milieu rural. Premièrement, rejoindre un réseau de professionnels pour rompre avec la solitude et être dans une démarche d'échange et de collaboration vertueuse. Deuxièmement, te former pour monter en compétences, rester au niveau, ajouter des cordes à ton arc et maintenir une certaine émulation intellectuelle. Troisième conseil, travailler ton état d'esprit pour analyser tes besoins et négocier avec toi-même ce que tu es capable d'accepter ou non. Dis-moi en commentaire ce que tu as pensé de ces conseils et si cette question te parle. Un immense merci pour tous les retours sous mes vidéos, ils sont très précieux pour l'équipe Charlotte K et je les lis avec attention. N'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas encore fait pour soutenir le travail Charlotte K. Prends soin de toi et à bientôt pour une nouvelle vidéo.